Ils sont là, les ch'tis? Bonsoir, les ch'tis! Thank you.
façon évidente, elle est surtout une tentative de consolider une structure qui est dangereuse. C'est-à-dire que les murs porteurs, on a l'impression que la maison était prête à s'écarter, qu'on est très vite venu mettre des tirants. Et c'est à vérifier. J'ai besoin de charpentiers, j'ai besoin de couvreurs, de maçons, j'ai besoin de tous les corps de métier, non pas seulement dans le second œuvre, parce que oui, aujourd'hui, il y a un toit sur quatre murs, mais qu'il faut même revisiter, vérifier toute la structure même de la maison et de ses murs porteurs. Ah, ça calme, ça fait. Colmar, il a trois canards, pas possible, pas permis. Là, il faudrait aussi, j'ai eu que de la pluie, mais moi, je dirais qu'il faisait 35 degrés. Rencontrer votre fille, mon mari, et c'est vrai que
bien belge, avec le succès que l'on connaît. Pour le coup, c'est la première fois qu'on va en Belgique, et j'ai à cœur de pouvoir montrer que des familles françaises que l'on a aidées par le passé, ici dans le Nord, vont pouvoir travailler, traverser la frontière pour aller renvoyer l'ascenseur, parce que très souvent des négociateurs de matériaux belges sont venus sur nos chantiers en France. Et j'avais à cœur de pouvoir au moins une fois aller leur rendre visite à nos amis belges, ce que je fais actuellement. Demain, je suis en Belgique. Après-demain, je suis pour un intermédiaire de chantier. Après-demain, je suis à Saint-Étienne pour rencontrer une famille. Vendredi, je suis à Colmar pour rendre les clés d'une maison à une famille que l'on a aidée, maman seule avec ses deux filles, dans cette émission. Bien volontiers, toute idée est bonne de communication par le biais des médias. Que ça soit le résultat de Montgolfière, il est où, monsieur Montgolfière? Il est là, monsieur Montgolfière? C'est mon papa, c'est ça? Un ami à mon père. Un ami à ton père, c'est compliqué, on a compris quand même. Que monsieur offre 10 vols, 15 vols, 14 vols en Montgolfière. Et le bénéfice, eh bien, ira à cette fin de chantier pour qu'on laisse pour profiter le plus loin possible. L'idée est autre. Tout doit passer par Ben et Oli. Pour vous tous, trop du terrain, c'est avec William. Il est là, mon Louis. Quand est-ce qu'on est, William? Il est là, mon William. William et Gab, ce sont les deux régisseurs qui vont constamment être présents pour faire le relais entre le bureau de production et l'équipe de réalisation à Paris, et puis faire le relais également entre vous, les pros du bâtiment qui allez décider, synthétiser vos différents savoir-faire pour aller à l'essentiel, qui sont là pour constamment m'épauler et me rendre compte de quelle est l'avancée des travaux que l'on dure. Je passe ma vie au téléphone, et c'est vrai que toute initiative sur le chantier devra passer techniquement pour les travaux. Techniquement pour les travaux devra passer par William et Gab, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tous partir. Je sais que vous avez à cœur, les pros de bâtiment, de faire le meilleur. Vous avez à cœur pour ceux qui viennent sur les chantiers, nous. Les deux sont respectables, mais sincèrement, c'est vrai que votre chaîne, qui est juste merveilleuse,
qui va être là pratiquement tous les jours. Certains sont prêts à me donner une semaine, 10 jours de leur temps, et vous allez vous piquer au jeu d'être là tout le temps pratiquement. Dès que vous avez son discours, vous viendrez rejoindre le chantier pour vivre cette aventure humaine. Et c'est dans cette aventure humaine qu'il y a énormément de choses à apprendre. Vous allez travailler les uns avec les autres, les uns sur les autres, comme dans une fourmilière. On va donc voter. Je vais surtout vous demander de bien respecter votre prochain. Et ce qui me touche, c'est quand il y a des gens, et surtout dans le Nord, parce qu'il m'est cher, des gens de différentes origines, de différentes cultures ou couleurs, sincèrement. Oui, je me dis que le vivre ensemble peut donner un sens à notre monde pour qu'on fasse ça de bien. Merci beaucoup. Et mon plus grand honneur, c'est...